trois signes doivent vous alerter par rapport au risque de cancer du sein. Le premier signe, c'est la découverte d'une boule, d'un nodule au niveau du sein ou au niveau de l'aisselle. Le deuxième signe, c'est une déformation du sein, une rétraction cutanée ou une modification de la forme globale du sein. Et le troisième signe, c'est une modification de l'aspect du mamelon et l'aréole. Ça peut être un écoulement, ça peut être une lésion cutanée, de l'eczéma ou une rétraction du mamelon. Alors si vous avez un de ces signes au niveau du sein, pas de panique, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un cancer. Il y a beaucoup d'anomalies au niveau du sein qui restent totalement bénignes, comme les adénofibromes ou les kystes. Donc si vous avez une anomalie au niveau du sein, il faut consulter très simplement votre médecin généraliste, votre médecin traitant ou votre gynécologue qui pourront organiser pour vous un examen clinique et, si besoin, des examens complémentaires simples comme une échographie ou une mammographie. Donc n'hésitez pas à consulter.